Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la vidéo aujourd'hui. À côté, nous parlons de tout ça qui a dominé l'actualité football. Là, pour côté, nous connaissons hier, mes amis, la demi-finale de la Ligue des Champions. Équipe Manchester City qui arrive à battre Paris Saint-Germain 2-0. Nous allons venir avec réaction la presse pour notre pays, la France, qui fait connaître que c'est la fin pour Paris Saint-Germain. Dans le pays d'Angleterre, tout le monde va même bagarre puisque le journal a célébré, mes amis, donc première qualification pour la finale de l'histoire de l'équipe Manchester City. Là. Nous parlons toujours à ça dominer l'actualité football là dans le pays l'Italie côté que mais José Mourinho lui reprend tête équipe AS Roma côté pas gagner pour mener équipe ça la saison prochaine. On va bien avec réaction la presse sur dossier ça pour vous. Jeudi encore c'est place avec demi-finale côté Real de Madrid pas gagner pour affronter dans Stamford Bridge équipe Chelsea. Mesdames et messieurs, nous va venir avec réaction la presse pour et qui ça mes amis donc qui a préparé pour match là. C'est une vidéo qui vient tout ça qui a dominé l'actualité football là avec résumé goal qui dégaine dans match Paris Saint-Germain après petit pause tout petit après qu'on s'engage plus de détails pour Tactez cache la caille Kounia à son numéro de téléphone ça ou bien sur www.cachelacaille.com pour qu'il devenir yon agent. On commence dans le pays la France côté tragédie ça mes amis, il fait un pile tête fait mal puisque le journal Bleu Parisien l'y mettait à la une en la fin de rêve. Mais la fin du rêve pour Neymar et sa bande puisque nous connaissons éliminé dans la Ligue des Champions en demi-finale. Le journal là qui a les piles pour qu'il argumenté pas de miracle pour Neymar et ses coéquipiers. Une nouvelle fois battu par Manchester City hier soir, les Parisiens échouent en demi-finale de la Ligue des Champions. Et bon, côté par le journal, l'équipe limitée à la une dit End. Donc on est Moussa qui voulait dire la fin en français et mais définitivement fait jeu de moi en anglais puisque c'est l'équipe mancunien, équipe anglaise à lui-même qui élimine Paris Saint-Germain. Journal là qui vous continuez pour cap argumenter, les mancuniens n'ont laissé aucune chance aux Parisiens qui quittent la Ligue des Champions après un très beau parcours. Les Anglais disputeront leur première finale de l'histoire contre le Real de Madrid ou Chelsea, opposé ce soir à 21h. Mais quand même, mes amis, ont très mauvaise statistique pour l'équipe Paris Saint-Germain lui-même qui n'a pas tenté aucun tir cadré dans le rencontre là. Une très mauvaise nouvelle pour l'équipe Paris Saint-Germain lui-même qui fait un très mauvais match face à l'équipe Manchester City. Ils ont toujours été avec réaction dans le pays de la France avec le journal Le Progrès lui-même qui, dans une page intérieure, lui mettait à la une Paris Saint-Germain un retour sur terre glaciale. Mais fait référence avec terre glaciale puisque nous connaissons le commencement contre là et mes terrains qui étaient un pile glace sous lui. Le journal qui continue pour argumenter le vice-champion d'Europe n'a pas réussi à renverser Manchester City. Battu à l'aller 2-1, le Paris Saint-Germain a de nouveau perdu 2-0 et ne verra pas cette année la finale de la Ligue des Champions. Donc, quitter pays la France, nous parlons avec réaction dans le pays l'Angleterre, puisque le journal The Guardian qui mettait à la une un prochain arrêt Istanbul. Mais Istanbul, c'est là que finale la prale jouer le 29 mai qui pourra venir là. Et bien, Manchester City qui est qualifié, donc qui a déjà joué une place pour la finale. Le journal qui a les pile pour le faire connaître que, et bien, glace qui était souterrain là, était vraiment metté et que Manchester City a vraiment cool. Et pourquoi pas, donc, mettre en place dans la finale après que Paris Saint-Germain ait perdu tête souterrain. Bon, côté parler du journal de Daily Telegraph, il fait jeu de moi avec Riyad Mahrez pour le mettre à la une à Mavels. Mais il fait qu'on essaie de tomber en veille puisque Emegan International Marocain lui-même qui marquait un doublé pour l'équipe Manchester City et qui mettait la finale de la Ligue des Champions après 51 ans. Et bon, côté parler également du journal Daily Mirror lui-même qui mettait à la une Istanbul, Menam Vini. Le journal qui allait finir pour le faire connaître que c'est vraiment là une grosse croissance pour Pep Guardiola lui-même qui arrivait qualifier l'équipe Manchester City pour la première fois en finale de la Ligue des Champions. Le journal qui soulignait tout performance hors norme de International Portugal lui-même, un défenseur qui c'est Dias qui était vraiment metté, mais Neymar avec partenaire dans la poche lui. Et bon, côté par le journal de Daily Times, il mettait à la une Riyad Mahrez, il mettait l'équipe Manchester City en un final la première fois, mes amis, dans l'histoire. Son nuit glaciaire dans Manchester, et mes équipes saliennes qui veulent qualifier grâce avec un doublé de international marocain. Hein. Toujours sur réaction de Matisse, il y a un journal salien qui se descend, qui mettait à la une finalement. Il fait jeu de mois avec finale et mettait en bleu, puisque nous connaissons l'équipe salienne qui c'est les Blues, les Manchester City qui qualifient pour la finale de la Ligue des Champions. Et bon, côté par le journal Daily Star, il fait connaître que c'était un Riyad Mahrez sans foi ni loi pour l'équipe Manchester City à mes amis, donc qui était vraiment là sans pitié pour l'équipe Paris Saint-Germain pour te mettre l'équipe là dans la finale. Et mes amis, comment ça t'a dans le résumé? Mais c'était Riyad Mahrez qui ouvre ce score là 11e minute de jeu pour l'équipe Manchester City. Même Riyad Mahrez a limité la soirée en 3e minute de jeu, il mettait doublé par là en contre là pour la victoire, ça 2 goals à 0 pour l'équipe Manchester City. Ça. Justement que nous vous répétons dans la vidéo ça, mes amis, qui donne un petit temps pour nous remercier chaque monde qui est abonné à la chaîne là et qui toujours mettez un like, qui toujours commenté. N'oubliez pas qui pour faire ça, qui soit obtenu mes amis, un bouton jouer à la vidéo à Kounia, cliquez sur lui pour abonner, activer la notification. Hein. Et si vous êtes abonné déjà, quittez nous inviter pour mettre un like en bas de la vidéo à son bail qui est gratuit, mes amis, et ça va vraiment encourager une beauté plus de vidéos pour vous. Et quittez nous rappeler également, ou même qui a vécu dans le pays Brésil ou bien dans la République Dominicaine, qui t'a remis un propre bureau de transfert pour mes amis, cliquez Kounia dans le lien ou abonnez dans le premier commentaire qui est en bas de la vidéo ça pour parler avec Cash Lacay, qu'on soit capable de vendre mon cash, top up, unitransfert avec un transfert. Et nous avons toujours été dans la réaction avec match là, mais cette fois-ci dans le pays l'Espagne avec Jonas Sport qui mettait à la une Neymar dehors.
Journal la questionné tout que Pep Guardiola lui-même 10 ans après que le dérivé dans l'équipe ça et mais définitivement il mettait l'équipe Manchester City dans la première finale de l'histoire. Mais journal la qui souligne également que Brésilien Lionel a décidé pour mettre un thème avec Cycling dans Paris Saint-Germain puisque là donc après un énième nous cap dit essai en Europe pour arriver gagner la Ligue des Champions. Et bon côté parler toujours dans pays l'histoire journal Mundo Deportivo lui fait connait que équipe RC Barcelone était vraiment attentif sous Neymar Junior là. Journal la qui fait connait que nouveau chaos équipe Paris Saint-Germain en prenant la Ligue des Champions ça a provoqué des sorties de grands stars. Et bon, selon mon côté, pas lire, t'es attentif pour celui qu'on est que international brésilien t'a vraiment intéressé pour faire retour dans l'équipe FC Barcelone. Nous avons quitté le dossier Ligue des Champions, nous parlons de venir dans le pays, l'Italie, avec un baraki officiel puisque nous connaissons que José Mourinho lui-même, c'est le nouvel entraîneur équipe AS Roma pour saison qui a venu là. Le journal Il Romanista lui mettait à la une un changement d'histoire puisque Fonseca n'est pas capable dans l'équipe ça encore saison qui a venu là et c'est José Mourinho lui-même qui prend la tête d'équipe là. Dis-moi, José, c'est ça le journal lui mettait à la une. Et bon côté parler journal Gazette de Sport, journal papier aux Italiens qui mettait un tissu sous bonbon pour le rap fait qu'on est que mais empereur Rome dans lui-même nouveau empereur c'est José Mourinho. Il mettait à la une avec moi. Et bien José Mourinho qui signe un contrat avec l'équipe ça jusqu'en 2024 selon le journal Gazette de Sport. Et bon côté parler journal Tuto Sport également il salue arrivé José Mourinho dans notre équipe AS Roma. Mais journal qui vient avec des informations financières puisque il fait qu'on est que José Mourinho pourra toucher une affaire de 7 millions d'euros par année dans l'équipe AS Roma. Et bon côté par les journal Corée de Sport Lien qui fait qu'on est que José Mourinho lui retourne dans le pays l'Italie un an après, mais en été fait un triplé avec Inter de Milan. Mais il mettait des déclarations de José Mourinho qui fait qu'on est que Livinina équipe Roma, c'est pour ambition club là avec passion des équipes de fanatique. Mais quand même déclaration président club ça qui fait qu'on est que mais avec Mourinho, mentalité pour vainqueur là lui-même est vraiment absolue dans l'équipe ça. Donc quitter de ces Mourinho, nous parler directement dans le pays l'Espagne avec journal Marca qui mettait à la une que Pep Guardiola lui a prétendu là en Istanbul. Mais Istanbul, c'est pas la ville qui va recevoir nous capable de finale Ligue des Champions. Hein? Ramos, Valverde, Marcelo avec Mendy, tout joueur ça est présent pour capable utiliser l'équipe Real de Madrid la journée face avec Chelsea. Mais Gazine Zidane qui fait déclaration qui fait qu'on est que c'est pas un miracle du côté aujourd'hui là donc vraiment mérité pour ta là. Et bon côté parler journal Asim Levigny avec une belle statistique pour le mettre à la une que mais Zinedine Zidane dans 12 ans capable de match élimination direct les joueurs dans Ligue des Champions, il gagne 11 là-dedans yo. Mais c'est vraiment un message qui est vraiment optimiste pour l'équipe Real de Madrid là. Mais quand même, limité à la une tour, en aller, en bail, tout nous-mêmes, c'est déclaration ça que Ramos et Mita fait. C'est du Ramos qui retourne bel et bien qui a présent pour l'équipe Real de Madrid là face avec Chelsea aujourd'hui là. Et dans le pays d'Angleterre, il y a des Guardians qui reprennent des déclarations de Thomas Tuchel qui mettait à la une, fini le job. Fini le travail, c'est ça que aimé Thomas Tuchel t'a exhorté Joël Lio pour finir le travail que tu fait à Madrid là. Joueur qui supposait quoi et qui a un pile espoir face avec Real de Madrid. Et bon côté par le journal Daily Express, il mettait à la une que Thomas Tuchel lui t'a demandé joueur et pourquoi pas passer au lot pour qu'il soit brave face avec l'équipe Real de Madrid là. Place qu'on a avec pronostic mes amis, allez dans le commentaire. La première monde qui mettait dans le commentaire qui équipe qui a gagné match là, qui est-ce qui a marqué goal et combien match ça l'a fini. Pas oublier sous rive gagner, c'est le premier monde qui mettait commentaire, ça va jouer 1000 gouttes top up ou du moins pour qu'il baille sous mon cash baille aux amis qui en Haïti. Mais quand même mes amis, une petite suggestion, pas éditer commentaire ou là nous finir écrire, intention pas bon du tout, li pas belle. Et pas oublier mes amis depuis ou al modifier commentaire donc je te va dire ça parce que la marque édité à côté a honnêteté à li commencer dans petit détail dans petit bagaille pour ka briver dans gros bagaille. C'était vraiment plaisir pour te capoter tout ça qui a dominé actualité football là pour mes amis pas oublier juste avant aller pour faire ça partager vidéo ça avec tout zamou sur WhatsApp sur Facebook invitez vous cap abonner à la chaîne là. Quand pour nous mettre à la prochaine vidéo que bon Dieu bénisse pas oublier préparer nous pour tout Christ ça son bagaille essentiel puisque nous compte qui jour nous vient sur terre par contre qui jour nous praler.